Alors Kenya a dit le pari pour le diriger force multinationale qui est en Haïti. Selon annonce gouvernement pays Kenya, et bien annoncé yo prêt pour yo prendre tête yon force multinationale en Haïti. Côté a déployé environ 1000 policiers dans pays ça que gouvernement Kenya a dit qui déchiré par conflit. Et bien oui, pas oublier non, Aribo frontière Kenya a conflit tout le monde. Aribo kay Kenya en zone chaulier. Oui. Pas dire dans bouche mais nous t'entendre mais moi me dit nous zone chaulier, nous zone chaud, atichou. En tout cas Kenya dit lui même l'a envisagé. Oui oui, positivement pour le prendre tête en force multinationale en Haïti. Kenya dit le paraît pour le déployer environ 1000 policiers, oui policiers aussi mon pas dire nous militaires nous pour le cas aider former et aider la police là en Haïti. Nous pour le cas aider former et aider la police en Haïti, donc environ 1000 policiers. Donc Kenya paraît pour le voyer dans bloc panon pour le cas aider former policiers nous yo. Oui oui, selon déclaration ministère affaires étrangères pays Kenya qui publié non communiqué. Donc Kenya fait ça relon proposition de déploiement mais yo dit li nécessité yon mandat Conseil sécurité Nations Unies ainsi que accord autorité locale yo, c'est-à-dire autorité gouvernement en Haïti yo. Yo dit yo gen yon mission évaluation avec une équipe opérationnelle, une équipe opérationnelle la police Kenya qui va le faire dans prochaine semaine yo en Haïti. Haïti bye pour tout de suite. Non papa, c'est des annonces qui fait pour bientôt. Yo relé ça yo pour la vie d'Iran en avance ensemble. Pas gain l'autre détail qui disponible. Nous connaît secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres et premier ministre pays d'Haïti qui c'est président tout qui c'est Ariel Henry. Yo te mandé communauté nationale là pour garder comment yo ka aider la police locale en Haïti que gang fait marron. Et gang yo dit qu'il contrôlait presque 80% capital pays d'Haïti selon sa dépêche la publiée. En tout cas, gang yo qui a multiplié crimes tant coup enlèvement, vol à main armée et vol de voiture qui a fait dans pays. En tout cas, Kenya lui-même li habitué déployer force de maintien de la paix li, à l'étranger, alors on va parler là de l'armée Kenya dans pays Congo, République démocratique Congo et en Somalie, Somalie c'est pays voisin Kenya côté gain en guerre civile depuis pratiquement 1990. Alors pour vous qui parlez de Kenya, moi je connais Kenya très bien pour une raison historique premièrement parce que Kenya où étudie l'école, là c'est un jeune étudiant parce que on parle de révolution qui en Afrique, on parle de panafricanisme donc on étudie Kenya réellement parce que Kenya c'est un pays côté qui a bon si levé campé pour parole panafricanisme. Ensuite, le bral vin dans diplomatie, moi bral bien avec un monde qui bral président Kenya en fait qui lui-même c'est petit fondateur pays Kenya et Qatar m'a konn sou songé majorité moun k'ap ba nou sécurité yo c'était Kenyan que yo té c'est-à-dire dans pays Qatar majorité sécurité que nous té gagné et dans hôtel nous c'était moun qui sorti dans pays Kenya alors même yo pa vle président hein? Mais président était colonne moi même protéger yo peut-être président alors yo pa vle wèl mais président ba yo son oui pour président protéger c'est-à-dire Kenya et sou fè mauvais ba Qatar tu y a tout foutu de yo. Kata est bon pays, il y a démocratie là-dedans. Non, papa. Depuis bon soubaremo, yo foutou de. Donc, en plus là-dedans, on protège yo. Yo pas le président, mais c'est le président Kenyatta qui protège yo. Alors, le président Kenyatta, c'était petit fondateur pays. Alors, pas le même président, c'est ancien vice-président. C'est William Ruto qui est président pays Kenya. Donc, Kenya, son côté, me connaît très bien. Alors, ça fait me faire blague. Et sous parole là, avec le dossier Aribo Kenya, Kenya collé avec la Somalie. Oui. Et gouvernement et Kenya, c'est lui-même qui était accueilli. Donc, parlement somalien pour te choisir dirigeant pour diriger Somalie parce que Somalie tellement de problèmes donc gouvernement est pratiquement en exil dans zone yore les Baïdouri et bien gouvernement est pratiquement en exil et c'est alliance force des tribunaux islamiques yo qui devra le prendre pouvoir à l'époque l'école toujours oui dans l'année 2005-2006 yo qui devra le faire donc pour un gouvernement plus ou moins stable qui devra l'établir à Mogadiscio. Mogadiscio qui c'est capitale pays la Somalie. Parce que gouvernement, en fait, Somalie, son pays qui, pratiquement depuis 1990, en déblousaille. Et d'ailleurs, sous qu'on aurait regardé des films d'action, ou après, on filme les Black Hawks Down, la chute du faucon noir, qui montrait côté hélicoptère, l'armée américaine a tombé dans Somalie, côté où il fait opération, puis il a arrêté chef de guerre Aïdid, général Aïdid. Et depuis là, tout, États-Unis obligé de changer de doctrine militaire là tout. Parce que tu as des soldats américains qui mourent et qui traînent dans la rue, tu as un chien.
et bagaille ça t'a fait gouvernement américain en pile embarrassement. Et ben bagaille ça fait que à États-Unis obligé pour aller changer doctrine militaire, après Marines américains, GIS américains, yo pas entrer dans corridor pour yo craser corridor, yo bombarder corridor, pas entrer dans corridor pour mon encore. Force spéciale américaine, Delta Force, Navy SEALs a pas entrer dans corridor. Mais militaires américains, non, ils vont rentrer dans le corridor pour. Ils ont crasé le corridor, ils ont pété balle sur tout le monde. Ils ont pété balle sur tout le monde, ils vont rentrer dans le corridor pour. Non, non. Ils ont pété balle, ils ont fait pile petit tout dans le corridor, ils vont rentrer dans le corridor pour. Dans le pays Somalie, eh bien, oui, ils ont pris un mauvais chapelet, Marassa, lorsque ils ont cherché à arrêter chef de guerre, chef rebelle, Aïdid. Alors, ça nous est dans le film, c'est pour tout le monde arrivé. Black Hawks Down, la chute du Faucon Noir, et nous connaissons à cause de. Des autres actes passés, États-Unis étaient tout courus quitter Somalie et Force Nations Unies tout étaient tout courus quitter Somalie et laisse à Somalie t'as crasé pratiquement l'aime dit crasé à crasé net et pays a pral divisé journée aujourd'hui en fait gain trois Somalie en même Somalie qu'on a pays a t'as pral fait donc plusieurs pays et gain deux blocs là dedans qui stable y en relie le Somaliland qui journée aujourd'hui qui sont proto-État, c'est-à-dire un État quasi indépendant qui a une monnaie, qui a l'argent, qui a l'armée qui a fonctionné. Bon, l'autre, il y aurait le Puntland. Le Puntland lui-même, qui lui-même sont l'autre proto-État. Et il y a un espace côté grande tribu et grande famille, il y a un base, qui c'est Somalia, proprement dit là, alors qui c'est respect chrétien. Et côté capitale là, donc c'est Mogadiscio. Mais gouvernement qui est en place là, que communauté internationale a reconnaître là, contrôlé seulement. Ça aurait les Vija Somalia qui se siège par les présidentiels là. Force tribunaux islamiques qui même qui te prend et pouvoir en commencement année 2000 en 2005-2006 alliance là pas prakembe parce que gien l'autre nèg qui va le islamiste que l'autre et discussion va le péter et c'est comme ça va le gagner un groupe terroriste qui très très violent qui va émerger que aurait les Al-Shabab qui au même son groupe terroriste qui fait allégeance avec État islamique dans la zone Somalie. Alors pas oublier, tout ça passé en bas bouche Kenya, en bas bouche pays Éthiopie, oui, Germinal Serine, qui c'est deux gros tontons puissance qui gagnent dans la zone Afrique de l'Est là, qui ont même gagné géofixé sous Somalie. Alors pas oublier, pour pas oublier Somalie, gagne un avantage vraiment stratégique sur pratiquement tous les deux pays. Australie, gon gros tonton accès avec la mer, et la mer, c'est la mer qui est en face à Arabie Saoudite là. Ça dit Australie, même dit Australie, désolé, mais Australie, qu'on y a malheureusement. Alors, Somalie, gagne accès avec l'Anméa, que Éthiopie lui-même pas gagné. Éthiopie qui perdit l'Anméa par là, à la faveur de l'indépendance de l'Érythrée. Ça dit Empire éthiopien, reine de Saba, Empire, ça a été gagné l'Anméa lui-même. Mais immédiatement que Érythrée pral pété coquin pour le retirer de l'Empire là, eh bien, Éthiopie vit en puissance continentale et donc pral perdu accès avec la mer là. Et bien la mer ça que le cajouen dans l'autre bois en Somalie grand des autres et la mer là est très très important dans zone là lorsqu'on pays religion ça qui enclavé ou grand pile petit problème port dans monde lorsqu'on pays enclavé pas accès à la mer. Alors faut me dire nous c'est l'Haïti qui pratiquement ex dirigeant nous très très bête qui pas connaît la mer assez cob lié la mer assez richesse lié Germinal Serine oui la mer assez cob la mer assez richesse. Alors là il y a nous dans Kenya donc Kenya moi dit nous qui sont pays qui trouvaient le religion ça en Afrique de l'Est. C'est-à-dire son pays qui voisin Soudan du Sud, son pays voisin Éthiopie, qui voisin Somalie, qui voisin Ouganda, qui voisin la Tanzanie. C'est-à-dire dans pays que Kenya voisin yo, gen au moins 4 là-dedans yo, alors 3 là-dedans yo qui gen la guerre pendant m'a parlé avec nous là. C'est-à-dire dans pays que Kenya voisin, alors pas oublier non, on compte géographie, alors on compte tout pays gen sous la terre dans livre net et m'a compte tout avec DG bon Dieu ben moi en tout. C'est-à-dire l'autre pays Kenya voisin, entendez, il voisin Soudan du Sud. Soudan du Sud son pays qui gon rébellion la dan kounya la côté docteur Riek Machar a goumé avec président Salva Kiir docteur Riek Machar qui c'est vice-président pays a et ben a goumé avec Salva Kiir docteur Riek Machar qui c'est docteur en philosophie et tout ben nèg nou remé goumé quand même pour vous voir. Soudan du Sud qui c'est yon dernier pays qui est indépendant sous la terre qui sorti dans République islamique Soudan que ou connaît qui gen capitale li Khartoum et ben Soudan du Sud qui t'a pral prendre indépendance li à la faveur de rébellion que John Garang t'a lancé parce que yo même dans zone sud là, yo c'est des chrétiens animistes, des chrétiens et des animistes, ça y des moun qui yo même croient dans bagaille protestant ou bien l'autre qui pas croient dans rien, dit tout qui croient dans petit bout de bloc, petit bout de bois. Et ben justement, yo pas d'accord. Jean Khartoum lui même pouvoir, c'est ton pouvoir musulman, et ben yo t'es péton rébellion
et rébellion ça que chef de guerre John Garang t'a pas le diriger et John Garang qui t'a pas le mourir quelques jours avant déclaration proclamation indépendance officielle pays a. Donc c'est adjoint Salva Kiir qui lui-même t'a pas le venir diriger pays a avec et docteur Riek Machar comme vice-président. Et ben docteur Riek Machar lui-même pral pété coquin ou connait comment bagaille là il déjà ti mec doit remet goumen pour pouvoir notre pays qui voisin Kenya c'est l'Éthiopie. Éthiopie côté n'a parlé à là qui gagne en guerre civile la donne. Alors il gagne guerre la donne depuis longtemps oui mais qu'on y a le vrai guerre civile la donne parce que premier ministre qui est en place là, alors premier ministre que me connais bien, premier ministre ça c'est prix Nobel l'appel avant et la guerre était démarrée. Et bien premier ministre là a fait face à une rébellion dans région Tigréa. Région Tigréa qui sont région sécessionniste, c'est-à-dire une région besoin près indépendance de pouvoir central là qui gagne base li dans Addis Abeba. Addis Abeba c'est la siège Union africaine nan yetou. Donc Éthiopie dans moment parler a gagné en guerre la donne entre l'armée loyaliste qui dépend de pouvoir central là dans Addis Abeba cap boumé contre rebelles qui sorti dans région Tigréa, rebelles qui sorti dans région Tigréa qui a contesté pouvoir en place là dans Addis Abeba et a contesté pouvoir donc premier ministre Abiy Ahmed gagné Abiy Ahmed c'est alors oh j'ai plusieurs photos avec Abiy Ahmed n'importe quoi chercher montrer non alors Abiy Ahmed lui-même c'est et premier ministre éthiopien qui s'est pris Nobel la paix avant la guerre donc c'est un prix Nobel de la paix que Abiy Ahmed est premier ministre Abiy Ahmed alors Kenya tout le gain voisin avec un autre pays m'sou dit nous c'est Somalie m'sou parler nous de eux le gain frontière tout avec pays Ouganda et le gain frontière tout avec pays Tanzanie dans sud-ouest et on t'y parti la dedans bail sous océan Indien dans sud-est pays Kenya. Donc Kenya son moun qui gagne en pile petit problème et dans Bola Kaili ça m'a mouri c'est un moun qui gagne petit problème dans Bola Kaili parce que il t'a ca essayer garder ça le café avant de faut penser avec nous mais malheureusement la pense avec nous quand même. Alors faut me dire nous Kenya tout élection qui sont faites là tout c'est élection qui toujours gagne petit coquet petit bail là dedans et m'pas croire Kenya vienne résoudre problème nous là faut me ba nous causer à bien moi pas certain que c'est Kenya qui va venir résoudre problème nous là.